je ne suis pas une Africaine puisque je suis guadeloupéenne. Je suis une femme noire, bien sûr, ça c'est évident. Je suis un écrivain, oui, aussi. Je suis une femme, une mère de famille, une femme qui travaille. Oui, je crois que je suis tout, une grand-mère attentive. Je crois que je suis tout ça à la fois. Mais je ne peux pas me définir. Je crois que c'est quelqu'un d'extérieur qui peut me définir en disant « Elle est comme ci, elle est comme ça. » Mais moi, je me fie tout simplement. Ses airs, je ne connaissais pas. Elle me le révélait et subitement, j'ai compris que la couleur avait un sens. Que être noir, c'était avoir un passé différent, des racines différentes et qu'il fallait maintenant essayer de comprendre d'où je sortais. J'ai lu aussi Fanon sans comprendre. Je l'ai haï parce que c'était pour un masque blanc que j'ai pas du tout compris, que j'ai pris comme un livre de dénonciation des Antillais. J'ai pas vu qu'il y avait une analyse de Udamination dont j'étais un exemple éclatant. Je pense que Ségou a eu du succès parce qu'il arrivait peut-être à un moment où on avait envie d'entendre parler de l'Afrique de la manière dont je l'ai fait. Et on a senti aussi la sincérité qu'il y avait dans ce livre. On a senti aussi l'amour qu'il y avait pour l'Afrique et aussi les critiques, je crois, légitimes que je portais à l'Afrique. Et que tout cela a fait un livre dans lequel beaucoup de gens se sont reconnus. Césaire, on peut dire que c'est le retour spirituel à l'Afrique, le devoir de mémoire. Nous sommes tous d'origine africaine. Il n'y a ni Martiniquais, ni Guadeloupéens, ni Guyanais. Il n'y a que des Noirs qui viennent de l'Afrique. Fanon, au contraire, dit le nègre est une invention de l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas le monde blanc, nous sommes tous très différents et nous avons chacun d'entre nous des choses différentes à porter au monde.